Salut à tous, c'est Kevin Kade. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui, on va fêter ensemble l'anniversaire d'un jeu vidéo que j'aime énormément, enfin d'une saga, d'une série que j'aime énormément. Il s'agit de Zelda, comme vous l'aurez pu le remarquer. Aujourd'hui, nous allons fêter les 35 ans de la licence Zelda. C'était une date que je voulais marquer, je ne savais pas comment. En fait, sur le moment, c'est vrai que je voulais vous présenter un item que j'avais reçu à Noël toute seule, mais je me suis un petit peu retenue de par aussi le temps, enfin de par, je veux dire, par rapport à mon planning, que ce soit par rapport à mes études, que ce soit mes problèmes de santé et tout ça. Je voulais vous la présenter toute seule, mais voilà. Là, je peux vous présenter l'intégralité de ma collection, en tout cas. J'avais fait déjà une vidéo il y a très longtemps, une vidéo sur la chaîne très longtemps pour vous présenter ma collection Zelda. Cette collection a bien évolué depuis, hein. Forcément, il y a eu d'autres jeux, il y a eu d'autres produits. J'ai retrouvé des anciens produits pas trop chers et tout ça. Donc forcément, ça me pousse à vous sortir cette vidéo et vous parler en même temps de cette passion que j'ai. Parce que Pokémon, c'est une passion, certes, mais Zelda, je pense que c'est vraiment ma licence préférée par rapport... je sais pas, niveau gameplay, niveau univers et tout ça, je pense que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. J'aime beaucoup Pokémon, hein. Ça se tâte en fait entre les deux, mais Zelda, c'est Zelda, quoi. Zelda, c'est vraiment, c'est Zelda, quoi. J'arrive même pas à décrire, c'est vraiment une licence qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Je l'ai connue vraiment aux alentours de Phantom Hourglass, ou alors, non, si c'était Phantom Hourglass, il me semble. J'avais connu sur DS, le Phantom Hourglass, et ensuite après j'ai commencé avec Skyward Sword. Vraiment, ça a été mon premier jeu que j'ai acheté de Zelda, ça a été Skyward Sword. Et depuis, voilà, je lâche plus, ça a été vraiment mon premier gros jeu, il y a 10 ans maintenant, 10 ans que Skyward Sword est sorti. C'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre de revoir en même temps que Skyward Sword allait être réédité sur Switch. Et ça, je suis très content. J'ai déjà précommandé les Joy-Con. Il me les fallait absolument puisque je vais vous montrer mon premier item. Ça a été vraiment le premier item de ma collection Zelda que j'ai obtenu. Hop. Donc, il s'agissait vraiment de ce collector. Le limited edition pack avec du coup la manette en or, manette qui n'est pas ici, elle est chez une amie que je lui ai pris, enfin en fait je l'ai laissée là-bas parce que on voulait jouer à Just Dance et des tas de jeux comme ça, donc du coup je l'ai laissée là-bas, je vais devoir la récupérer parce que voilà, c'est pas une manette comme les autres, quoi. Donc voilà, j'ai encore les manuels et tout ça, j'ai encore le jeu. Hein. C'était donc avec la manette, et j'avais aussi du coup le CD spécial, Orchestra CD. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Tout est neuf, hein. Il y a quelques griffes sur celui-ci, parce que forcément, à force, c'est vraiment beau. Hein. Donc 25 ans, ça a été pour les 25 ans de Zelda, ça a été mon premier jeu collector. Et depuis, voilà, ça ne s'arrête plus, je continue, je poursuis ma collection au fur et à mesure. Hop, je vais mettre ça ici. Je remets au fur et à mesure. Donc après, voilà, j'ai les amiibo forcément. J'ai un petit peu de tout, on va dire. Ça passe des figurines au jeu, ça passe au collector, ça passe aussi aux produits dérivés et tout ça. Il y a énormément de choses qui dans Zelda et tout. Donc voilà, bref. Ensuite, mon deuxième, vous voyez un petit peu au niveau ici, un petit peu ce qu'il y a au niveau de l'arrière, au niveau de mes étagères. Donc j'ai vraiment essayé de faire plusieurs univers, j'ai essayé de regrouper un petit peu les univers ensemble. Là on est plus sur l'univers, on va dire Majora's Mask, c'est même pas on va dire, c'est vraiment basé sur Majora's Mask. Au-dessus j'ai plus basé un petit peu sur le Link version, pas enfant, mais le Link version Link comme tel qu'on le connaît. Vous voyez, on part sur du Skyward Sword, on passe sur du Hyrule Warriors Legends, Zelda Twilight Princess. Une pépite aussi ce jeu. Et là, on est plus vraiment sur l'univers, on va dire, Link Mini, quoi. Enfin, Link Enfant, quoi. C'est Link Enfant, Link Cartoon. On est vraiment sur cet univers-là avec un arrière-plan ma Wii U. Édition spéciale Wind Waker. Voilà. Ça, c'était aussi... Bon, elle est utilisée. Hein. Franchement, je l'ai utilisée. Bon, il y a des griffes, forcément. Hein. J'étais plus jeune, donc forcément, il y a des griffes. Donc, il y a quelques griffes, mais
Voilà, en soi, vous voyez que la console en elle-même est... Elle est sobre, mais c'est ce que j'aime bien aussi dans Zelda, c'est que enfin, c'est tout dans la sobriété, mais c'est très subtil, les petits côtés argentés et tout, c'est vraiment super beau. Bon, là, elle est un petit peu sale, parce que forcément, ça prend la poussière. Un jour, je vais devoir peut-être acheter un écran de protection pour vraiment protéger. Bon, là, c'est plus trop nécessaire parce qu'elle est déjà un petit peu griffée, mais j'ai pas envie qu'elle se soit encore plus griffée qu'elle ne le soit déjà. Voilà. Donc c'est vraiment une console aussi que j'avais beaucoup aimée, la Wii U qui est sous-cotée pour moi, ça a été vraiment la première console, enfin ça a été vraiment un commencement par rapport à la Nintendo Switch, si on a le portable, on peut jouer sur l'écran, mais on peut jouer aussi sur la télé, c'était une version, en fait c'est une version sous-améliorée de la Switch quoi. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si je fais un par un des items comme ça un petit peu aléatoire ou si après je vous montre en gros les grosses pièces et ensuite je sais pas. Ouais, bon, je vais faire comme ça. Je vais vous montrer d'abord les grosses pièces et ensuite je vous montrerai un petit peu toute mon étagère un petit peu en globalité. Ensuite, on est parti aussi sur la première console, enfin la Nintendo 3DS XL de Majora's Mask. Alors, ça pour la petite histoire. Parce que c'est très folklore comme histoire quand même. Cette édition collector, elle était en rupture de stock. Vraiment, elle est partie, mais tellement rapidement. J'ai même pas eu le temps de précommander quoi que ce soit. Et un jour, je me baladais dans Carrefour. Et je savais qu'il y avait eu un petit, très petit restock. Et je suis passé dans le rayon console par le plus grand des hasards. Et genre, j'en ai vu une. Il n'y en avait qu'une seule. Petit malin comme je suis, je savais que mon anniversaire, mon anniversaire arrivait à grands pas. J'ai caché la console derrière des consoles que personne ne voulait. Genre c'était des 3DS. Je crois que c'était les 2DS. Je sais plus si c'était déjà. S'il y avait déjà les 2DS XL et tout. Mais voilà, c'était derrière des consoles que personne ne voulait. Et je l'ai caché, je l'ai mis derrière. J'ai été négocié avec mes parents pour mon anniversaire. Et ensuite, quand on est revenu genre dans l'après-midi, et ben elle y était encore parce qu'elle était toujours cachée, donc j'étais trop content. C'était vraiment une édition collector que je voulais absolument. Je vais aller vous la chercher, histoire de vous la montrer, parce que je l'ai déballée, forcément. Il fallait que je joue avec parce que j'avais pas de console pour jouer à Majora's Mask et tout ça. Donc celle-ci, je l'ai vraiment toujours laissée dans sa petite housse de protection. Certes, c'était pas une très grosse housse de protection, mais ça tenait le coup. Hein. Franchement, ça protège bien au niveau de la console. Après, au niveau des coups, bon, j'ai jamais eu de coups sur celle-ci. J'ai jamais fait tomber ou quoi celle-ci. J'en tenais mais à la prunelle de mes yeux quoi. C'était mon bébé, genre une toute petite chute, genre juste, genre vraiment. On est par exemple, on est là, c'est le sol et. Et là, je faisais juste genre ça, bah, pour moi, c'était déjà la panique, quoi. Donc voilà, ça, c'était vraiment une très très belle console. La dorure et tout ça, avec vraiment tous les designs des masques, des différents masques pour Majora. Enfin, le masque de Majora, magnifique également. Là, vous avez l'arrière. Donc là, voilà, tout en sobriété, c'est de l'or, hein. Enfin, doré, on va dire. Et là, du coup, oh là, et là, du coup, voilà, vous avez l'écran, bon. Là, c'est peut-être ça que j'ai été un petit peu déçu au niveau de cette édition collector, c'est qu'à l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de changements, à part les touches vraiment qu'ils ont été un petit peu colorées. Ça, c'était vraiment la chose que j'ai pas trop. J'étais un petit peu déçu. J'étais un tout petit peu déçu, mais bon, voilà. Ensuite, on va rester sur Majora's Mask. Il y avait deux trucs que je n'ai jamais eu. Donc, la première chose, bon, ça c'est la coque de mon téléphone. La première chose, c'était justement la figurine de Skull Kid. Parce que c'était bonus de précommande de chez Micromania. Mais je ne l'ai pas eu. J'ai réussi à en trouver une. C'est pas la boîte française, puisqu'en France on n'en a pas eu. C'était la boîte US, il me semble. Je l'ai trouvée sur Le Bon Coin. Pas très cher. Bon, il y a eu un petit accroc sur la devanture. Mais voilà. Parce que normalement c'était une boîte blanche chez Micromania. Alors que là vraiment, on a une boîte. C'est plus. Ça envoie plus du lourd, quoi. C'est beaucoup plus sympa une boîte comme celle-ci plutôt qu'une boîte blanche. Genre, je me suis dit, mais ils se foutent un peu de la gueule du monde, quoi. Et du coup, voilà, celle-ci, je suis très très content. Donc, c'est Skull Kid. Elle est super belle avec le masque de Majora. Hein. Très très jolie. Voilà. Je sais qu'il y a une version améliorée, un petit peu first for figure, pardon, de Skull Kid, mais bon. C'est pas la même argent.
Ensuite, on a aussi du coup la petite lampe. Hop. La mini lampe, donc ça, très très rare également, donc qui était vendue ici, enfin, vendue. En fait, pour la petite, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau de cette édition, enfin au niveau de cette petite lampe, un peu creepy. Attendez, je vais baisser. Voilà. Vous voyez un petit peu, assez creepy. Voilà. Pour cette petite mini lampe, on est sur une édition collector qui n'était pas mise en vente. Enfin, pas proprement parlé. On va dire c'était l'ancien système de récompense de Nintendo. Vous aviez dans chaque jaquette de jeu, vous aviez des petits codes avec des points. Enfin, pour récolter des points. À chaque fois que vous achetez un jeu, vous avez ce petit carnet de codes que tout le monde n'ouvre jamais ou alors jette. Eh bien, vous pouvez cumuler. Vous avez pu cumuler des points. Vous pouviez cumuler des points et justement avoir des cadeaux à côté. Donc la lampe était dedans. Moi, j'avais pas assez pour la lampe. Enfin. C'est même pas que j'avais pas assez, c'est que j'avais plus de. Il n'y avait plus rien au moment où je suis allé. J'ai quand même trouvé mon bonheur. Donc, une petite trousse Zelda. Donc, toujours dans le store du Club Nintendo. Vous avez même le petit tag ici. Enfin, ici, vous avez le. Je sais pas si vous allez voir, mais vous avez écrit Club Nintendo. Voilà, sur l'avant. Donc, ça, j'étais très content quand même de l'avoir. En plus, l'expédition était quand même assez rapide. Je crois que sur une quinzaine de jours, je l'ai eu. J'étais quand même assez content de l'avoir. Enfin, je suis très content de l'avoir dans ma collection, quoi. Ensuite, on part également sur une édition. Enfin, on est toujours sur l'édition de Majora's Mask. Sur l'édition collector de Majora's Mask. Donc, qui est complet. Ça, j'étais très très surpris. C'est une fois, j'étais en brocante. Donc, vous avez encore même le prix, genre à l'arrière. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Là, normalement, on est sur une base de prix de 55 euros. Donc 54,90 qui vient de chez la Fnac. Alors ça. En plus, j'ai l'impression que c'était même 69, pardon. 69 de base. De base, le prix de base, c'était vraiment 69 euros. Mais je ne sais pas pourquoi il y a écrit 54,90. Peut-être qu'il y a une baisse de prix entre deux. Hein. Donc ça, j'étais très content parce que j'étais en brocante et les marchands venaient de s'installer, hein, honnêtement. J'ai vu la boîte qui dépassait d'un carton d'un marchand. Genre, je parlais, à, je sais même plus pourquoi, c'était pour autre chose. Je pense que c'était pour du Pokémon de base. Et j'ai vu le carton, genre vraiment juste comme ça. J'ai vu le carton, j'ai fait. Vous faites combien le collecteur de Zelda Majora's Mask? Il m'a regardé, il a rigolé. Voilà, on se reconnaît entre collectionneurs, hein, forcément. Il m'a dit, bah, je vous fais à 30 euros. J'ai même pas cherché à négocier le prix. J'ai même pas négocié parce que je sais que cette édition collector, elle vaut beaucoup plus. En tout cas, en état neuf. Et là, l'état était neuf, quoi. Il est toujours aussi neuf. Donc, 30 euros pour un collector avec justement le pins et tout ça. Donc, il y a pins, steelbook et un poster. Un poster. Donc, franchement, 30 euros pour ça, j'étais très très content. Ensuite, on a un petit ocarina, mais pas officiel, parce qu'il manque deux trous. Normalement, c'est un 8 trous. Je crois qu'il en manque 4 en plus. Normalement, c'est un 8 trous. Là, on est sur un. Non, on est sur un 6 trous. Ouais, attends. Ouais, non. Je sais même plus comment on fait. Avant, je savais faire un petit peu le début du thème de Zelda, mais j'ai oublié. Voilà. Ensuite, on va continuer. Genre, voilà, on est plus là maintenant. Vous avez également les figurines Amiibo. Donc. Toujours encore une fois sur Majora's Mask, donc celle-ci qui m'a demandé pas mal de difficultés à avoir. Les figurines 30 ans, les figurines 30 ans aussi, ça a été très compliqué de les avoir. Il y a eu un mini réassort, mais là maintenant c'est un peu plus simple de les avoir, c'est vrai, parce qu'avant c'était pas du tout possible de les avoir. Même pour celle-ci, je pense que je l'avais trouvée au Portugal. Parce que c'était très compliqué de les avoir en France. J'étais très très content de l'avoir celle-ci. Vous avez également du coup, Zelda dans la même série. Hein. Zelda, voilà. Très jolie aussi celle-ci. Ensuite, vous avez la Toon Link des 30 ans que j'avais ouverte. Je regrette un petit peu de l'avoir ouverte.
Mais voilà, maintenant je n'ouvre rien du tout au niveau des figurines Amiibo, je ne veux pas du tout les ouvrir. Je ne peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas du tout les ouvrir. Je peux pas. Ensuite, vous avez également donc, le plus récent en date que j'ai eu. Du coup, c'est celle-ci. Donc, c'est le Link enfant. Enfin, le Link enfant de Super Smash Bros. Très content également de l'avoir celle-ci. Hop, ensuite, si on continue sur les amiibo, je vous avais montré ou pas sur celui-ci. Ouais, le Skyward Sword, je sais pas si je vous l'avais montré. Donc là, on a le Skyward Sword et le Link, du coup, le Link de base. Très content également. De toute façon, je suis très content d'avoir toutes les pièces de cette collection. Enfin, qu'on se le cache pas. Vous avez également celui-ci. Donc celui-ci, c'est le seul que j'ai déballé parce que, justement, je l'avais en double. Hop, voilà. En fait, on me l'avait offert à mon anniversaire parce qu'il savait que j'aimais bien Zelda, sauf que j'avais déjà le collector. J'ai eu le collector justement de Twilight Princess avec justement l'amiibo qui était vendu avec. Très très content aussi. Franchement, Twilight Princess, c'est un jeu d'exception aussi. Hein. C'est vraiment. Dans ce jeu, il y a la chanson que je préfère le plus, c'est Midna's Lament. C'est vraiment la chanson. C'est un moment triste en fait dans le jeu. C'est un moment des plus sombres, je pense, qu'il y a eu dans le jeu. Même dans peut-être dans tous les jeux Zelda, qui m'a marqué en fait, c'est de voir Midna Midna en train de souffrir sur Link Lou, quoi. Et de souffrir parce que. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment, de ce passage qui m'a rendu mais tellement triste parce que Midna, c'est un. C'est un personnage coup de cœur aussi, c'est un personnage fort dans Twilight Princess. Un personnage très très fort. D'ailleurs, la figurine de Midna, la véritable forme de Midna, la mythe de Midna de chez Force for Figure. Si j'avais les moyens, je craquerais. Mais j'ai pas les moyens, donc voilà, on va se calmer. Ensuite, on va continuer du coup. Bon, là, vous avez du coup le jeu. Ça, c'est le jeu Wii, mais en version Wii Select, Nintendo Select, pour les 25 ans de Zelda, du coup. Ensuite, nous avons ici. On a le collector Hyrule Warriors, avec la magnifique boussole. Je vais vous la sortir, parce que je l'ai déjà sortie. Ouais, non, je ne peux pas la sortir. Il y a trop de choses à déballer. Donc voilà. C'est une très très belle boussole. Très beau collector également. Moi je voulais. Et moi j'ai en fait j'avais déjà la version de Hyrule Warriors. Pardon, excusez-moi. De Hyrule Warriors, j'avais déjà l'édition collector. Enfin, l'édition simple sur Wii U. J'avais pas pris l'édition collector et je regrette parce que l'écharpe est très belle. Je regrette cette écharpe, honnêtement, parce qu'elle est vraiment super belle. Mais sur celui-ci, j'ai dit hors de question que je passe à côté de cette édition collector, même si j'ai déjà le jeu sur Wii U. Du coup, hop. Ensuite, on va passer sur une édition qui est un petit peu controversée. Enfin, mes parents n'ont pas trop apprécié, n'ont pas trop compris le but de la manip. Enfin, de la manip. Hein. Ils m'ont bien engueulé parce que je l'avais précommandé et tout. J'avais donné un acompte et tout ça pour l'avoir. Donc, c'est une console. Une autre console, vous allez me dire. Il s'agit de la console de Hyrule Edition, qui était sortie à peu près aux alentours de justement Hyrule Warriors, si je me souviens bien. Et j'avais complètement, mais alors complètement craqué sur le design. Et quand je l'ai ouverte, j'ai fait. Ouais. Même mes parents, ils m'ont dit. Ouais. Bon. Ok. Même s'ils savaient que la console, clairement, j'allais pas jouer avec quoi. C'est vraiment une pièce de collection. Voilà. Je vous laisse admirer genre la beauté en fait de cette console, genre la dorure et tout ça. C'est différent par rapport à l'autre. Bon, par contre, je ne comprends pas comment j'ai pu avoir une griffe genre ici alors que je ne la déballe jamais. Genre, je la déballe vraiment une fois tous les 36 du mois et encore, je fais très attention. Et encore une fois, bon bah sur celle-ci. Vous n'avez pas, il n'y a pas de grand changement à l'intérieur, quoi, à part les touches juste ici qui sont en couleur. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement et c'est peut-être ça aussi qui m'a un petit peu déçu. Mais l'extérieur. Voilà. L'extérieur est magnifique. Alors, on va continuer. On continue. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et j'espère que vous.
pour les personnes qui sont fans de Zelda, vous êtes assez contents quand même de voir un petit peu ce genre d'items et tout ça. En tout cas, moi, je prends plaisir justement à vous montrer ce genre de collection et de vous partager un petit peu mon univers par rapport à Zelda. Parce que beaucoup de personnes ne se sont pas rendu compte que j'étais fan de Zelda. J'avais une question pour le calendrier de l'Avent Pokémon par rapport justement à ce jeu préféré. Et les gens, il n'y a personne qui en fait qui ont trouvé Zelda. Alors j'étais un petit peu je comprenais pas quoi. Parce que Zelda, voilà, c'est j'en parle tout le temps, je joue tout le temps. Pourquoi j'ai des tickets de caisse? Genre j'ai des tickets de caisse dans ça. Avant je conservais mes tickets de caisse. Non mais c'est. Oh, mon dieu. C'est fou. Donc ça, petite valisette de Phantom Hourglass que j'avais trouvée dans un. Vous savez les magasins de rachat là, des stocks. Ah putain. Je sais plus comment ça s'appelle. Genre vous vendez, vous donnez vos. Enfin vous venez ramener vos objets, ils les rachètent et puis ensuite ils les revendent. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Ensuite, du coup, on a également. Voilà, c'est un petit bracelet, mais bon, c'est un produit dérivé et ça vient de quelqu'un que j'ai plus envie de côtoyer, hein, clairement. Petit carnet de notes, j'en ai deux, un notebook, hein. Donc à l'intérieur, ça c'est super beau. À l'intérieur, vous avez les symboles de Zelda, on dirait une ruche un petit peu comme ça, je trouve. Vous avez les symboles de la Triforce, ensuite vous avez, du coup, c'est un petit notebook avec justement le symbole. Et ici, on a une petite map d'Hyrule. Très sympa également. Donc celle-là, je l'avais eu dans une box, dans la wood box, et ensuite on me l'avait offert, on m'en a offert une deuxième à mon anniversaire. Une amie à moi m'en avait offert une deuxième. C'est un petit peu aussi cocasse, c'est aussi comme sur ce verre-là, j'en ai pas un, ni deux, mais trois. Mes amis me connaissent bien, ils savaient que j'aimais bien Zelda, et le jour de mon anniversaire, bah, j'en ai eu deux. Voilà. Je vais vous le montrer. Celui-ci, il vient de chez Micromania. Ça fait un petit moment déjà. Donc, vous voyez un petit peu. Voilà. C'est en vitrail comme ça, des vitraux. C'est super beau, je trouve. Hop, voilà. Vous avez un vitraux comme ça. Et hop, voilà. Ça rend super beau. Hein. Mais bon, j'en ai trois. Il y en a un où je bois dedans et les deux autres, je les conserve jusqu'à ce que peut-être un jour je vais en casser un. Je touche du singe pour éviter de porter malheur. Mais voilà, j'espère ne pas en casser un, quoi. Alors, ensuite, nous avons également un petit coffre de précommande de chez Micromania. Très sympa pour y ajouter les cartouches. Donc ça, c'était pour Links Between Worlds. Très sympa, vous pouvez mettre les cartouches de jeu de Nintendo DS à l'intérieur. Et je crois qu'il faisait même de la musique. Mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai, donc du coup la pin ne fonctionne plus. Il faudra que je la remplace. Donc voilà, il y a un petit mécanisme, quand vous le rouvrez, il est fermé. Ensuite, on a quoi? Qu'est-ce que j'ai pas montré? Ah oui, bah, du coup là vous avez la chronique d'une saga légendaire que j'avais eu à Noël, avec un petit pendentif. Ça c'est très joli. Le livre est très très beau, mais je sais que je ne lirai pas. Je suis pas un fada de lecture, c'était un cadeau de ma maman, mais il est super beau, hein. Franchement, très très joli. C'était un cadeau de ma maman qui pensait me faire plaisir. Ça m'a fait plaisir, hein, honnêtement, mais la lecture et moi, non, c'est pas possible. Ensuite, c'est vrai que j'ai même pas parlé du côté Breath of the Wild. Donc, un peu la poussière, forcément. Faudrait que je fasse un coup un petit peu plus sur le socle, en tout cas, parce que le socle il prend vraiment énormément de poussière, c'est dingue. Alors, donc moi j'ai la version, voilà, ça a été ma première grande figurine de Zelda, enfin de Link là du coup, mais de la licence Zelda. Là on est sur du coup Link de Breath of the Wild, elle est super bien détaillée. Je pense que tout le monde, tout grand fan de Zelda a cette figurine en tout cas. Tout est bien fait en fait sur celle-ci. Tout est vraiment bien fait sur celle-ci. Je suis très très content de l'avoir en ma possession. Je l'avais eu à ma première Japan Expo, celle-ci. Ma toute première Japan Expo. J'avais fait de superbes rencontres là-bas. J'ai rencontré plein de gens. Je pense que c'est là que j'ai rencontré Ludo. Adrien, je l'avais déjà rencontré, il me semble.
puisqu'on habitait dans la même région, donc ça, il n'y avait pas de souci. C'était la fois aussi, j'ai rencontré Sora, j'ai rencontré David Lafarge, Meshirachi, Thiboudouboudou aussi, Secton, il y a plein de gens que j'ai rencontrés, Isnor aussi, que j'avais rencontré dans cette convention. Il y a plein de gens que j'avais rencontrés, et bon, maintenant, beaucoup de personnes ont fait leur chemin, il y a des personnes qui sont venues un petit peu plus. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, du coup, on va continuer sur les amiibo. Là, j'ai les deux links sur le cheval. Du coup, les links à cheval, donc j'en ai deux. Donc j'ai celle-ci. Oula, j'ai celle-ci que j'avais déballée. Bah, du coup, comme j'en avais eu une deuxième par un anniversaire. Hop. Ensuite, vous avez du coup le link archer en version amiibo. Hop. Comme ça, hein. C'est un basique de toute façon sur celui-ci. Zelda, qui mine de rien, Zelda, j'ai eu des difficultés à l'avoir celle-ci. Hein. Ça a été très compliqué pour moi de l'avoir celle-ci. C'est vrai que je ne pensais pas que j'allais avoir autant de difficultés à l'avoir, mais ouais, ça a été pas très facile. Alors, ensuite, on est sur un gros bébé. Mon gros bébé. Genre. Ah, j'avais déjà celui-là. Alors. J'avais déjà celui-ci. J'avais déjà celui-ci, mais il me fallait vraiment celui avec Zelda, quoi, parce que c'est Zelda, quoi. Donc c'était la version améliorée, avec enfin l'édition augmentée. Je sais pas si c'est pas... il y avait le DLC dedans, ou je ne me souviens plus. Ah oui, c'est avec l'Odo Prodige. L'épreuve légendaire. Les épreuves légendaires et Odo Prodige. Mais voilà. C'est Zelda, quoi. Zelda, genre. Elle est trop trop belle. Qui d'ailleurs est toujours disponible en magasin sur celui-ci. J'arrive, enfin, il n'y a pas de très grande difficulté à l'avoir sur celui-ci. Celui où j'ai le plus de difficulté à avoir, c'est la version premium qui est très très cher. Hein. Honnêtement, c'est le plus cher. Il tourne autour de plus d'une centaine d'euros en tout cas. Ben, je ne peux pas mettre déjà ce prix. Honnêtement, je ne peux pas mettre le prix. Une fois, je l'avais trouvé aux alentours de 80 euros. J'ai un petit peu hésité et le temps que j'hésite, ben, il n'y en avait plus. Donc j'étais dégoûté, mais bon, c'est pas grave. La seule édition collector, enfin, la seule chose qui me dégoûte le plus, c'est de ne pas avoir pris l'édition collector avec le socle et l'épée de Breath of the Wild parce que bah, elle est en rupture, quoi. Là, elle est introuvable, elle a des prix qui tourne autour de 200, 300 euros et c'est pas possible pour mettre autant sur une édition collector comme ça. Je la recherche toujours. J'essaie de trouver des petites occasions, de trouver de trouver la pépite qui pourrait me dire voilà, bah, je vends ne serait-ce que la figurine avec la boîte. Ce serait vraiment l'idéal, quoi. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Donc je suis un petit peu dégoûté. On va continuer. Donc là-bas, vous avez. Les prodiges. Les prodiges, je l'ai pris dès la sortie pour Noël. Et maintenant, je suis un petit peu dégoûté parce que le prix a vachement baissé au niveau de ces amiibo. Je pense que j'ai tourné autour de 60 euros sur celui-ci, alors que maintenant, on est plus sur du 50-45, il me semble, sur certains sites en tout cas. Donc, bon, c'est un petit peu moins cher, mais voilà, je les voulais vraiment avec. Avec Mipha Urbosa, Daruk et du coup Revali. Mais Mipha, c'est ma préférée. Même dans, comment ça s'appelle, Hyrule Warriors, bah, le nouveau, quoi. Dans le nouveau, et ben, c'est mon préféré. Genre, Mipha, c'est vraiment ma préférée au niveau des champions dans Hyrule Warriors. Ensuite, du coup, on va continuer avec un amiibo qui m'a pris pas mal de temps aussi à trouver. Au niveau de la sortie, quand je l'avais eu, enfin quand il est sorti, j'ai eu pas mal de, j'ai bien cherché pour l'avoir sur celui-ci. Il y avait un petit réassort, donc je suis très content de l'avoir eu, parce qu'elle est vraiment très belle. Donc la boîte est très grande également. Ça, c'est vraiment des amiibo que je sais que je ne vais pas déballer, quoi. Ensuite, on a également bon, le petit nouveau de celui Link's Awakening. Enfin nouveau, maintenant ça va bientôt faire un an hein, qu'il est sorti sur celui-ci. Quelle année? Je sais plus si c'est l'an dernier qui est sorti. Hein. 2019. Ah non, ça va faire 2 ans? C'est pas possible, 2 ans. C'est pas possible. Bon, je sais plus. Je sais plus exactement. Celle-ci, ça a été la première, on va dire, grande figurine. Bon, qui était disponible. Enfin, j'avais eu à Auchan, je me souviens.
Elle est très très bien. Bon, c'est articulé et tout, voilà, c'est sympa. Mais bon, c'est pas la meilleure, hein, mais bon, c'est une basique. C'est une basique, on va dire. Ensuite, hop, on va continuer. Donc, avec celle-ci que j'ai eue, j'ai un doute. Là, vous me mettez le doute. Je sais plus. Je ne sais plus si je l'ai prise à la Japan Expo ou. Je pense que je l'ai prise à la Japan Expo. J'ai un doute. J'ai un doute si c'est Japan Expo ou si c'était sur le Bon Coin ou un truc dans le genre. Ou peut-être au Champ, je sais plus. Mais il me semble que c'est. On va dire que dans le doute, c'est vraiment Japan Expo parce que voilà. C'est peut-être la dernière Japan Expo que j'ai faite. Voilà. Donc c'est celle de Twilight Princess. Très sympa également. Bon. Elle est moins simple, elle est moins détaillée, je veux dire, que celle de Breath of the Wild. Mais bon, c'est quand même une première version en plastique, en tout cas. Elle est vraiment très belle. Enfin, elle est quand même sympa. Hein. C'est celui de Twilight Princess. Donc, moi, j'aime beaucoup l'épée et tout. Le bouclier est très bien détaillé également. Le visage, par contre, un petit peu moins, je trouve. C'est peut-être ce qui me gênait peut-être le plus. Mais bon, c'était une figurine que je voulais dans ma collection. Il me manque celle de Skyward Sword. Au niveau des figurines comme ça qui sont sorties. Ensuite, il y a la Zelda que j'ai toujours pas et que j'aimerais bien avoir. Et ensuite, bon, vu qu'on est dans les figurines, on va poursuivre sur la figurine. Ça, c'est mon bébé. C'est le dernier arrivé. C'est la dernière arrivée au niveau de ma collection. C'est celle que je voulais vous présenter justement. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur cet item. Genre, je pense même que je vais faire une petite photo comme ça, non? Genre, comme ça, pour la miniature. Voilà, je prends la miniature en même temps. Hop, franchement, les détails sont magnifiques. C'est pas la version, on va dire, de Force for Figure, la version bien améliorée à 380 boules, hein, les 300 boules, mais pour une version plastique, une version vraiment standard, on va dire, j'avais payé 80 €. Je trouve quand même que le travail est très très beau. Les détails sont vraiment beaux. Les yeux sont vraiment très très creepy. Le socle lumineux. Donc ça c'est la version collector. Hein. Le socle lumineux. Voilà. Vous avez un port USB juste à l'arrière pour pouvoir brancher. Sinon ce sera une batterie en fait. Si jamais vous commandez celle-ci, c'est une batterie que vous devez acheter séparément. Ça c'est le petit point négatif si jamais vous ne voulez pas la brancher. Moi je l'ai branchée sur ma Xbox parce que comme ça elle est toujours je peux toujours l'allumer le soir et tout ça. Mais voilà. Ah, je la regarde avec amour. Genre. Ma mère, quand elle l'avait, elle dit un peu flippant quand même. J'ai dit oui, mais c'est le but. C'est le but. C'est quand même Majora. C'est le masque de Majora, quoi. C'est le but qui soit un peu creepy, hein, honnêtement. Attention également quand vous installez le socle. Parce qu'en fait, si vous voulez, hop, vous avez le petit branchement ici. Voilà, donc vous avez un petit branchement comme ceci qu'il va falloir mettre vraiment juste là. Et il faut bien faire attention parce qu'en fait, moi, je me suis gouré aussi. Il faut vraiment bien l'enfoncer. Y a un petit mécanisme et tout ça. Il faut bien l'enfoncer et pas se tromper parce que c'est très très délicat. Hein. Vraiment très délicat pour le coup. Voilà, hop. Il faut vraiment que ça s'enclenche tout seul et que vous ne sentez pas de résistance. Parce que sinon. Si vous êtes mal orienté ou quoi au niveau du masque, ça risque de faire des dégâts au niveau du branchement. Voilà. Ça, c'est peut-être. Je sais pas, c'est peut-être la petite pépite, on va dire. La petite pépite, je suis vraiment très content de cette pièce en tout cas. Très très content. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment très satisfait de cette pièce. Elle est vraiment très bien détaillée. Hop! Ensuite, bon, dernier objet. Je disais que c'était ma pépite, mais en soi. Je pense que c'est ça qui me fait, qui me rend si fière, très fière. J'adore cette pièce. Pièce que j'ai beaucoup galéré à avoir. Il fut un temps où ce coffret, il coûtait 170 balles. Je dis hors de question que je l'achète à 170 balles, même si c'est une très très belle pièce. Magnifique pièce. Ensuite, je sais qu'aux alentours de Noël, enfin, en 2019, elle était passée à 100 €. Je me suis dit, ouais, mais c'est quand même très cher.
Et l'an dernier, j'ai réussi à la voir. Il me semble que j'avais payé 69 euros. Donc là, c'est un prix quand même relativement plus correct. Faut que j'allume aussi le mécanisme, parce que c'est pas tout, hein, mais c'est quand même le détail qui change tout, on va dire. Hop, regardez. C'est pas trop beau? Genre, c'est magnifique. Magnifique. Les petits rubis comme ça, voilà, c'est incroyable. Attends, j'arrive. Donc le prix était un peu plus correct. Ça me fait toujours aussi. Le prix était un petit peu plus correct, on va dire, et les détails sont incroyables. Vraiment incroyables. La chose qui m'a un petit peu plus chagrinée, c'est que normalement c'était de l'état neuf. Hein. Bah, c'est que ici, voilà, vous avez au niveau du rubis, vous avez un petit morceau de plastique qui s'est enlevé. Ça m'a. J'ai failli porter réclamation parce que j'ai failli faire un retour, mais vu qu'il n'y en avait plus en stock, j'ai dit c'est mort. Je vais pas faire un chichi pour juste un très léger impact sur ça. Je vais pas faire un petit. C'est tout, c'est tout, il n'y a rien. Sinon, les deux autres, ils ont rien, vraiment, ils n'ont rien. Genre, je peux faire Ténéfix avec, vous voyez. Oh, c'est bien, c'est vrai en fait. Genre, c'est Ténéfix. Ouais! Trop beau. Franchement, et en plus, c'est quand même assez lourd. Hein. Déjà, les rubis en eux-mêmes, ils sont assez lourds. Et le coffret aussi en bois, c'est lourd. C'est très très lourd. Mais je pense qu'ils ont eu du mal à les vendre quand même, vu que le prix n'était pas forcément très ouf. C'est vrai que 169 euros, ça peut un petit peu dissuader pas mal de collectionneurs. Moi, ça m'a dissuadé, hein, forcément. Mais voilà, là, je regrette pas de l'avoir dans ma collection, celui-ci. En plus, avec la petite musique. Par contre, les vendeurs de micro-monnaies, il faut vous renseigner. Hein, parce qu'ils me disaient, oui, non, il n'y a pas de musique et tout ça. N'y a pas quoi? Il y a de la musique, oui. Donc, non, il y a de la musique. Parce qu'ils m'ont dit, non, il n'y a pas de musique et tout. Je dis, je suis sûr que s'il y a de la musique. Ils me disaient, non. En dessous, t'as quoi? T'as un truc pour faire de la musique avec des piles. Donc, si, c'est avec de la musique. Voilà. Donc, ça, c'est. Ça a été la petite pièce bonus, on va dire, de ma collection qui me fait très plaisir à avoir aujourd'hui, à ce jour, dans ma belle et grande collection. Et j'espère vraiment à tout prix pouvoir agrandir cette collection. J'attends les Joy-Con des 35 ans, du coup. J'ai eu la manette des 25 ans. C'était interdit pour moi de ne pas avoir les Joy-Con des 35 ans. C'était pas possible. C'était pas possible. Je ne pouvais pas. Genre 80 euros. J'ai payé 80 euros, certes. Je m'en fous. Je m'en fous. Il me les fallait, c'est tout. J'en avais besoin. J'ai même pas réfléchi. 10 secondes, j'ai mis pour les acheter. J'ai eu la notification sur Twitter. J'ai mis 10 secondes à les acheter. En 5 minutes, il n'y avait plus rien. Donc très content de les avoir en précommande, surtout en sachant qu'il n'y a que 15 000 pièces en France par rapport à ces Joy-Con. Voilà, très très satisfait. Voilà, j'ai failli faire 35 minutes au niveau de la vidéo, mais on est sur 30, 38 et 38 minutes. 3 minutes de plus, c'est pas grave. 3 minutes de plus dans une vie, qu'est-ce que c'est? Hein, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite, enfin cette grande vidéo plutôt de présentation de collection vous aura plu. J'espère pouvoir vous en refaire une prochaine avec peut-être des nouveaux items qui rentreront, ou alors peut-être vous faire simplement des présentations des items que je vais recevoir prochainement, comme les Joy-Con. Si jamais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plairait que je vous montre ces fameux Joy-Con et que je vous les déballe ensemble et qu'on les déballe un petit peu ensemble et voir un petit peu le contenu. En tout cas, voilà, moi ça me fait très plaisir de vous montrer cette collection. C'est une partie de moi et j'avais vraiment besoin de montrer sur cette chaîne bah justement cette collection, quoi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!